que vous voulez voir. Trop bon. C'est bon jusqu'à. Trop bon. Le goût de ça. Tant que ça sèche un peu. Bonsoir. Père d'Agouvet vous dit bonsoir. Ma boussienne. Ma Fodekis. La coiffure de sang. Sans quoi, enfin. Même un truc que même pas 10 minutes, c'est à cuire. Donc, comme je disais tout à l'heure, que dans mes soeurs, parce que tout à l'heure, avec la chaleur, si, il y a une personne qui est venue un peu m'agresser là virtuellement, et moi, je n'aime pas qu'on m'agresse. Donc, il y a Claude Akam qui est là. Je ne peux pas aller sauter. Donc, je dis tout le monde de ma team à moi, mes gens à moi, j'ai fait la publicité des produits d'une star ici à Facebook. Oui. Donc, si vous voulez toujours continuer à payer ces produits-là, continuez à payer, mais vous ne passez pas par moi. Vous passez par la team en question, vous passez par elle-même. Donc, moi, j'ai dit que je ne prononce plus son nom, mais c'était d'entre vous savez de qui s'agit-il. Donc, voilà. Moi, je n'aime pas quand on me manque le respect, le mépris. Le mépris ne fait pas partie de mon vocabulaire parce que nous tous ici à Facebook, s'il faut le mépris là. Moi-même, j'ai le mépris trop grave. Parce que moi, c'est s'en fout la mort. Parce que quelqu'un va me faire. Donc, je suis désolé pour vous, voulez passer par moi. Que moi aussi, je m'en veux aussi crâner un peu là-bas, mais la façon qu'on parle là, moi, ça n'entre pas dans ma tête. Donc, voilà. Donc, du coup, envoyez l'argent. Il y a mon ami qui s'appelle Claude Akam. Il y a ma Fodekis. Il y a beaucoup de gens qui sont dans sa team. Il y a les grandes stars là, passées par eux. Vous envoyez, vous faites confiance, vous envoyez votre argent. Ça se passe comme ça. Tout le monde qui m'a envoyé de l'argent ici, même pour Kati FMI, j'ai toujours donné l'argent à Kati FMI. Tout le monde qui m'a donné quoi que ce soit, j'ai toujours fait. Tout le monde qui m'a dit la veuve, pardon, va payer là-bas, j'ai toujours fait. Toujours, toujours fait. Donc moi, je n'accepte pas certaines choses. Tu ne sais pas. Comment on appelle ça? Tu ne sais pas la mouche qui meurt avec toi dans le secret, ici dehors. Arrêtez de mépriser les gens. Arrêtez de mépriser les gens. Arrêtez. Quand on dit qu'on est commerçante, il y a des choses qu'on fait qu'on ne fait pas. Tu étais ma personne. Moi aussi, je pouvais amener ma contribution chez toi. Tu ne sais pas qui est derrière moi, tu ne sais pas qui je suis. Vous montrez comment vous êtes bien à Facebook. Mais moi, je ne montre rien. Parce que moi, je suis humble. Vous ne savez pas les choses. Voici une valise ici, là, que tout à l'heure, là. Il y a une abeille qui m'envoie la valise. Je ne sais même pas. Les gens m'envoient les choses. Attends, je vous montre pour la valise. Voici ici. Vous voyez. Voici ici. Vous voyez, elle vient d'acheter ça. Vous voyez, avec le parfum, avec le Roger, ou c'est Roger quoi, ou avec le parfum, elle a envoyé. Donc, moi aussi, il faut que moi aussi montre ce qu'on me donne tous les jours là. C'est beaucoup. Moi, elle me dit que la veuve va se prendre. Merci, ma puce. Mais si moi je reçois tout, j'ai dit que ma chambre est déjà. Ma chambre est comme.
Pourquoi m'enculent comme ça? S'ils veulent m'enculer, c'est leur problème. Est-ce qu'on encule la veuve? C'est la veuve qui les encule propre. C'est la veuve qui encule tout le monde. Moi, je m'en fiche. On m'encule, quand on m'encule. Pourquoi depuis quand tu me parles comme ça dans mes directs? Tu m'as vu qu'on m'encule là? On m'encule avec quoi? Mais il y a un problème. Est-ce que quand j'étais avec l'autre là, elle me donnait quelque chose? Il y avait quelque chose, j'avais quelque chose dessus. Au contraire, on est venu passer derrière moi pour être star à Facebook, ce qui se passe maintenant. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont la malchance tous les jours. On va encore la niquer là-bas. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, voilà, moi, je m'en fous. Ne me parle pas des choses comme ça. On m'encule par rapport à quoi? Tu sais ce qu'on appelle quand enculer quelqu'un? Si on m'encule, tant mieux. Mais si on m'encule quand même qu'il y avait quelque chose, j'allais encore dire que oui. Tant mieux. Il y a des gens qui sont là pour venir faire leur star mania à Facebook. Mais les star mania de Facebook se payent très, très cher. Je veux que ça s'appelle acculé, pas enculé. Moi, c'est acculé ou enculé, c'est le même genre, non? Ce n'est pas la même phrase. Ne mélange plus personne, je reste tranquille dans mon coin. On reste dans les amis des grandes personnes. Je dis que moi, je n'ai pas besoin. Celle-là. Cyril Lagrasse, alias Cyril Lagrasse, alias. Comme on appelle ça, blonde Alice. Normalement, tu ne devrais pas être dans mes directs. Je suis désolée pour toi. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas une envieuse. Je ne parle pas mes choses en envers. Tu ne sais pas qui je suis. Je te parle plus depuis des années. J'ai besoin de montrer. Je vous montre les recettes une encore à voir. Je vous montre les choses qu'on me donne ici. Il y a les grandes dames là qui me regardent en ce moment, qui me donnent les choses. Là, en ce moment, je ne vais pas prononcer leur nom. Il ne faut pas que vous soyez jaloux. J'ai besoin. J'ai besoin. Mon lait coûte combien? J'ai combien ici chez moi? Arrêtez vos histoires là. Hein? Et je ne m'amuse pas avec toi, blonde Alice. Alors dégage. Va pleurer ta mère loin. Chouine. Rip. Vous croyez que je suis comme ça avec vous? Je dis que je ne discute pas avec vous. C'est comme ça. Facebook a un pouvoir. Hein? Vous savez, mes amis. Facebook a un très grand pouvoir. Le pouvoir de la communication. Quand je partage mes choses dans mon mur, même si les gens ne likent pas, mais les gens voient, ils passent me voir inbox. La veuve, s'il te plaît, c'est combien les produits? La veuve, c'est combien? La veuve, c'est combien? C'est comme ça. Vous savez combien de gens? Vous savez combien de gens m'ont passé les commandes de ce produit-là? Même rien que même pour la petite rubis bombastique là. Même les perruques, même les habits. Combien? Qu'on passe par moi. Par contre, c'est qu'avec moi, ça va. Il y aura une petite réduction. C'est mort. C'est fini. Oui, je suis bipolaire. J'accepte d'être bipolaire. Je suis bipolaire chez moi. Je n'appartiens à personne. Vous êtes que les sans esclaves. Vous appartenez à certains gens ici à Facebook. Moi, je n'appartiens. Je suis un être humain. Je respire, je vis. Je vis, je bois, je mange, je chie, je dors, je baise. Vous comprenez? Vous avez créé vos Facebook, vous venez foutre la merde à Facebook. Alors allez m'attendre là-bas chez vos gens. Vous êtes les malades mentales. Vous êtes les malades mentaux. C'est vous qui allez partout. Je vous appelle chez moi. Hein? Je vous appelle chez moi là. Je suis chez moi. Non seulement que je suis dans mon mur de Facebook. Et en plus de ça, je suis dans ma maison. Je ne suis pas dehors. Je ne suis pas une crevade. Hein? Ou c'est enculé ou c'est enculé, pour moi ça sonne pareil. Bon, laissez-moi comme ça, je ne vous appelle pas. Hein? Comment? Ça ne vous appelle pas chez moi. Vous venez toujours chez moi, moi je sais pas pourquoi. Vous savez que chez moi, c'est le blocage direct. Et moi je m'amuse pas avec vous. Donc allez faire vos choses là dans vos maisons respectives. Vous me voyez là-bas dans vos directs encore. Vous me voyez dans vos directs. Enculé ne veut pas dire enculé. Dis donc, je me rappelle avec ça, c'est les mêmes gens. Vous allez m'attendre chez vous. Vous n'allez jamais pu me voir dans aucun direct de star là. Aucun. J'ai décidé que c'est comme ça. Je peux pas aller m'asseoir là-bas chez Demanou. Ou m'asseoir les petits directs des gens là. Mais les vos grands directs, même si vous partagez quoi Facebook, je ne vais plus jamais. Et quand je dis que je ne vais plus jamais, c'est pour vous dire que même si une grande star mondialement connue me fait le direct en m'insultant, ne me dites même pas, parce que je ne vais pas la répondre. Parce que on répond. Les gens qui sont fous et bêtes, par un coup de silence, c'est ce que je veux opter de mon côté. Parce que vous, hier,
Vous m'avez insulté correctement et bien, non? J'ai fait quoi? J'ai dit quoi? Hein? Qu'est-ce que je vous ai fait hier? Je n'ai rien dit. J'ai aussi parlé que maman. On a pleuré ici que Lolo a fait que, machin a fait que. Que Lolo a pire Raja Melania. Aujourd'hui, ça se passe comme aussi avec moi. Alors, les restes vont commencer. Tout le monde n'a pas les restes des gens. Il faut accepter ça. Les restes, c'est les restes. C'est tout. Hein? Si on ne paye pas, si on ne paye pas, est-ce qu'on peut, on peut prononcer son nom parce qu'on paye? Elle sera toujours restée, restée, comme j'ai dit, restée, restée. C'est tout. En dans 2 mois, on va encore lui mettre là-haut. C'est où? Non. Il y a certains gens qui n'aiment pas, partager leur siège. Hein? Parce que là où celle-là vient, là, moi je vous dis. Parce que moi je vous dis, tu es ici à Facebook. Je vous dis, tu es ici à Facebook. Moi je réponds, mais pour moi je parle des choses maintenant. Je n'ai pas prononcé dans des gens ici. J'ai dit, ici à Facebook, il faut faire attention quand une personne vient déjà fort, fort derrière vous ici à Facebook. Les cadavres vont bientôt tomber. Moi, je suis jumelle. C'est le jour-là que je vais mettre un vrai string dans ces nuits ici devant vous ici à Facebook. Ça vous parle, vous ne comprenez pas. L'argent ne fait pas tout. Hein. L'amitié, les relations, quand on a déjà instauré un petit signe d'amitié avec une personne, c'est très bien. Hein. Quand ces gens manquent de respect par rapport à quoi? Quel argent? Quel argent? Un paquet de cigarettes coûte combien? Tu as combien? Avant de vendre 20 paquets de cigarettes, tu as combien? 1 euro. Après, c'est 20 centimes que tu gagnes dans la cigarette ici. Je connais comment ça se passe. En tout cas, moi, je ne veux pas trop parler de ça. Moi, je parle de ça parce qu'il faut bien qu'on crève l'abcès et que ça finisse. Moi, je voulais seulement dire aux gens qui voulaient m'envoyer leur argent mercredi là que moi, je ne prends plus l'argent. Je ne suis pas comme les autres. Je ne veux pas. Il y a des gens. Il y a même, il y a même deux qui m'ont envoyé 100 euros aujourd'hui. Sans, il y a une de sa soeur m'a dit que non, la veuve, prends d'abord ça. Comme ça, tu gardes sur toi. Le jour-là, tu nous prends d'abord un poids. C'est comme ça, on va me pirater mon compte. De toute façon, pirater, ce n'est pas grave. Je vais encore ouvrir un autre. Ce n'est pas grave. Donc, dans la vie, mes amis, c'est comme ça, vous voyez, non? Donc, c'est ce que moi, j'avais à vous dire. Que dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de quelqu'un ici à Facebook. Nous toutes là, les gens qui nous suivent là, on a un petit pouvoir. Nous toutes, on a un petit pouvoir. On ne sait pas là où. Il a dit que on ne sait pas la mouche qui meurt avec quelqu'un, qu'on enferme dans le cercueil. Vous voyez parfois dans un cercueil. Le cercueil vitre, là, tu vois une mouche dans le cercueil. Tu dis que merde, la mouche est entrée comme dans le cercueil ici. On ne sait jamais. Qui peut sortir qui de la merde dans cette vie? Arrêtons de se moquer des gens. Arrêtons de dire certains mots blessants ici à Facebook. J'ai toujours été honnête et gentil avec toi. Mais toi, ton direct d'hier là, c'est un direct qui ne passe pas. Est-ce que ça ne passera jamais? Moi, je te dis ça. Je ne prononce pas ton nom. Je te dis seulement que ton direct là ne passera jamais. En plus de ça, tu as laissé que ta team me lynche. Moi, ça m'a fait très mal. Parce que tu étais dans leur team. Tu étais là-bas. Tu voyais comment m'insulter. Donc, tu es comme ça. Tu es mazo. Tu aimes quand on tue les gens. Mais je ne t'en veux pas. C'est ta nature. Mais sache que moi, j'ai eu un seul cœur avec toi. Un seul cœur avec toi. Parce que je ne vois pas pourquoi dans ton direct. C'est pour me choquer. On appelle ça la provocation. Moi, je parle de ça. Mieux vaut que je passe à la finie. On appelle ça la provocation. Je ne vois pas pourquoi tu vas passer celle-là dans ton direct par rapport à quoi. Tu la connais où? Si elle ne venait pas derrière moi. Jusqu'à aller avec ton... Les types là qui ont les grosses fesses là. Je ne sais même pas l'autre là. Hein? Ce n'était pas comme ça. Elle allait connaître qui? Elle est passée derrière moi. Vous avez fait le coup bas. Elle est partie. Tu la mets dans ton direct en tant que qui? En tant que quoi? Je suis désolée. Je suis très fâchée contre ça. Contre ça. On ne fait pas ça. Mais quand l'autre là aussi a fait à l'autre. Voilà ça non. On va maintenant. Vous voyez comment la vie est. On va maintenant faire comment? Hein? Voilà alors ça qui va arriver là. Voilà le lot qui va être l'égérie de Raja Melania. Ah, on va faire quoi? On va qu'accepter, non? Ah, c'est comme ça. Vous voulez alors faire quoi? Quand nous faisons la paix, vous ne voulez pas la paix. Voilà ça. De toute façon, une comme moi. Hein. Moi, je me retire du bateau. Si vous voulez, bloquez-moi. Si vous voulez rester là. Parce que vous avez pris comme un mot déjà à moi. Je ne savais pas que vous allez me faire le couteau d'eau comme ça. Par rapport à quoi? Elle vous a dit qu'elle me donne quoi? Qu'elle m'a payé quoi? Elle m'a donné quoi? Quand elle vient d'accoucher, elle m'a donné 300 euros. Et puis ça s'est arrêté là. Et puis c'est elle qui aime sortir avec moi. C'est elle qui a montré qu'elle a l'argent. C'est elle qui paye. Maman, apparemment c'est toi qui cherchais mon téléphone.
Maman, et maintenant, je fais des directs matin, midi et soir. C'est toi qui cherches encore mes téléphones. Arrêtez un peu. Moi, j'ai tenu le respect. Le respect. Mais là, je pense que le respect, là, ça s'arrête là. Chaque personne prend son chemin. Reste-moi dans ma pauvre maison. Reste-moi dans ma pauvreté. Je reste là. J'ai voulu aussi montrer que, tac, tac, maman, jusqu'à que tu dis que, maman, voilà les vrais gens. Hey! Voilà les vrais gens qui ont fait la recette. Et moi, j'ai fait la recette de 400, 500 euros. Hein? Oui. Elle va le faire. Par contrainte. Mais moi, j'allais le faire parce que tu es une amie. Et puis, les gens allaient m'envoyer leur argent mercredi sans te mentir. J'ai refusé. Mais j'ai déjà quand même pris 100 euros là. Mais les 100 euros là, je vais pour mon dagoba avec. Voilà, ça passe comme ça. Quand j'ai fini avant de demander l'argent, si elle voulait bien sur ta Facebook, tant mieux. Ou je vais donner, demander à quelqu'un de payer. On les envoie ça. Il va envoyer l'argent à Claude Akam. Il va payer, il va l'envoyer au fil là. Moi, je ne suis pas comme ça. On ne me manque pas le respect. Oui, j'ai pris ça pour les filles parce que les filles disaient que, ouais, pardon, la veuve, comme tu viens au Cameroun là, mieux, je t'envoie l'argent, tu payes pour nous. Comme on a une boutique ici, ma soeur et moi, comme ça, on va mettre ça sur la boutique. Et comme les filles aiment beaucoup Fleur ici, les gens vont payer. C'était seulement pour faire le truc, non? Maintenant, maman. M'a montré hier que mon gouvernement n'est rien. On peut faire les gens qui vont payer plus. Moi, je pouvais payer plus. En tout cas, mes amis, c'est ce que moi j'avais à vous dire. Moi, je vous ai parlé là, dans la joie, comme d'habitude. Moi, je reste dans ma position. Je ne veux plus entendre parler de certains gens ici à Facebook. Donc, évitez aussi de venir parler d'eux aussi dans mes directs. Pour moi, ce n'était pas grave, mais je suis vraiment choqué pour ce qui se passe sur la toile. C'est tout. Parce qu'il faut savoir dire merci. Jusqu'à sans tourner les fesses. Hey, les femmes mariées de Facebook, si vous me tuez un jour. Hey, hey. I go, what do you for ya? Facebook, c'est pour nous tous. On s'est allés, nous tous. On est allés, nous tous. Tu manges maintenant ou bien parce que c'est encore chaud? Après? Tu manges après? Ouais. Ok. Je vais manger ma femme. Oh putain, mais c'est chaud jusqu'à. Donc, mais c'est ce que moi j'avais à vous dire. Hein. Donc, c'était mon petit Congo. Ça, que s'il vous plaît, je ne veux plus bloquer les gens. Oubliez-moi un peu. Si vous avez ouvert vos Facebook, vous venez insulter les gens. Et vous avez choisi qu'il y a une seule personne sur la toile qu'on doit protéger. C'est elle. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne vous appelle pas chez moi. Comme j'ai toujours dit, quand vous aimez une personne, allez chez la personne. Vous-même, vous avez vu. Voilà, les gens montrent ici qu'ils aiment certaines personnes et ils partent chez eux. Donc ne venez pas vous asseoir dans mon direct et m'insulter ou me manquer de respect. Vous comprenez? Donc voilà, hein? Chaque personne a le droit d'aller là où il veut. Aller s'asseoir là où il veut. Il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas qu'on me manque de respect. Hein? Jusqu'à dire que. Papa, je veux mourir. Jusqu'à dire que. Hein? Invitation VIP. Maman! VIP! Et moi, je serai assise où si je viens. C'est hors de question, je ne mettrai pas les pieds. C'est hors de question. Même si on dit quoi? Parce que tu m'as prouvé hier que tu préfères là où il y a l'argent. Alors que moi, j'avais une surprise pour toi. Je pouvais même prendre 8 produits le même jour. Tu as prouvé hier que tu préfères là où il y a l'argent. De toujours. Mais sache que moi aussi, j'ai mes gens derrière. Oui. Voilà. Fiche-moi la paix, pierre l'eau de mes fesses. Va te faire chier, va te faire enculer, va dans ta team de merde. Je vous amène, je vous appelle pas ici, d'accord? Pied plat, chouagne. Je vous appelle chez moi, bande d'avoutis, bande d'esclaves mal baisés. Je vous appelle chez moi. Tu exagères, dis donc. Je parle comme j'ai envie de parler, ça sort comme ça sort. Roi. Fichez-moi la paix. Dis donc, vous êtes toujours là, Facebook, au lieu de parler quelque chose que vous voyez qu'elle n'est pas bien. C'est bien ça. C'est bien qu'elle parle une personne qui était avec moi. C'est bien. Et que c'est bien que la fille soit dans son direct hier. Je parle. Hein? C'est bien. C'est bien que la fille soit dans son direct. Par rapport à quoi? C'est pas pour me choquer. C'est pas la provocation. Pour moi, c'est de la provocation. Et je lui ai dit, oh, ah. Dis donc. Ça se passe pas comme ça. Quand Lolo a pris les autres là, comme là même, Marie Madja, avec les autres là, ça a chauffé à Facebook, non? Quand on a encore pris Raja Melania, ça a chauffé, non?
Après, on dit qu'on parle que des restes. Moi, j'ai parlé, je ne clash pas. Et j'ai dit, quand vous aimez ça, ça peut arriver. Mais, ça c'est ce que je vous parle. Moi, je m'en fiche, je n'ai peur de personne sur la toile. Alors là, je suis prête. Je n'ai peur de personne sur la toile. Je ne me calme pas. Je parle de ce que j'ai à parler quand c'est encore temps. Après, je me calme et puis ça finit, c'est tout. Arrêtons certaines hypocrisies sur Facebook. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? VIP, elle va s'asseoir VIP. Et puis quoi, et après? Voilà notre truc que vous allez attendre. Je suis là à Facebook, non? On est là, non? Sur ce, mes amis, je vais mettre mon pépé. Parce que moi, je n'aime pas écraser les piments. Moi, je parle quand j'ai envie de parler. Je crie si j'ai envie de crier. Je n'ai pas peur d'une personne à Facebook. Parfois, il faut avoir honte de vos actes. Il faut avoir honte de vos actes. Il y a beaucoup de filles à Facebook qui sont riches. Pourquoi c'est la première qui dit qu'elle est riche? Hein, moi, je parle. C'est tout. La personne qui veut quitter mon Facebook, rien à foutre. C'est pas vous qui m'ouvrez ça. Vous fermez celui-ci, il va encore ouvrir l'autre. Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire. Parce que je n'allais pas rémunérer là comme cela. Hein? J'ai dit que la paix est bien, mais il ne faut pas provoquer. Il ne faut pas provoquer. Ça, c'est elle a fait la provoque avec elle. Et je n'accepte pas ça. Elle m'a provoqué. C'est tout. Par rapport à quoi? Pour montrer quoi? Après votre reine là va me clasher. Ça va changer quoi dans ma vie? Ça va changer quoi à Facebook? Ça va changer quels injures qu'on ne m'a pas encore dit à Facebook? Ça va changer quoi dans moi? Sérieux, qu'est-ce que ça va changer? Parce que comme vous aimez qu'elle me clash. Oui, allez lui dire que la veuve va clasher. Mais la veuve va clasher avec raison. Avec raison, on ne fait pas ça. On ne fait pas la provocation. Quand elle partait, elle ne partait pas pour qu'on parle de. Pour que quelqu'un la prenne là-bas. Que quelqu'un la prenne, oui. Mais il ne fallait pas. Par rapport d'abord à quoi? Tu fais une vidéo avec elle par rapport à quoi? Vous montez quoi? Les chaussures de daddy. Les fesses là. Hein? Une belle femme, c'est une femme qui a les seins d'abord et les fesses ensuite, c'est tout. Le reste, là, on passe ça. Vous montez quoi? Vous parlez quoi? Hier, tu étais chez moi, tu me léchais les fesses comme ça là. Que la veuve. Maintenant, c'est là-bas. Jusqu'à. Ce qui m'énerve dans tout ce que j'ai. Quelqu'un m'a fait la provocation avec moi. Voilà ce qui m'énerve. C'est la provocation. Pure et simple. Tu n'es pas avec tout le monde là. Avec tout le monde que tu connais dans le monde entier. Les Vanessa Pang sont où? Les autres là sont où? C'est celle-là que tu prends carrément dans ton direct devant où c'est 2000 personnes. Faut la fabriquer. Oui. Tu ne vas la fabriquer, c'est bien. Mais je sais que tu as souvent fabriqué beaucoup de gens. Et on sait comment ça finit sur Facebook. C'est ce que moi j'avais à te dire. Dans la vie, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Que j'ai te dit, qu'un cam. Voilà, c'est tout. Vous dites que le loi a dit que le loi a fait que. Ouais. Et vous êtes les champions, vous faites la même chose. On ne fait pas ça. Pourquoi je m'en fiche? Je sais qu'elle est dans ton gouvernement. Ça, c'est vrai. Elle est dans ton gouvernement. Je sais qu'elle est dans ton gouvernement. Mais tu n'avais pas besoin de la prendre au téléphone pour parler quoi? Pour me choquer, moi. Mais je suis très déçu de toi. Très déçu de toi. À partir d'aujourd'hui, pardon. Passe ta route. Moi, je passe ma route. C'est tout. C'est comme ça. C'est ce que j'avais à vous dire. Ce qui m'insultait, là, vous savez votre salaire, non? Je suis de m'insulter. Après, je vous bloque. Ce qui est sûr, c'est ça. Bonne journée. Bye bye. Ciao. Je vais manger. Toujours la trahison. Trahison. On dit que la veuve a fait. Moi, j'ai déjà pris les restes de qui ici à Facebook? J'ai déjà pris les restes de qui ici à Facebook? Non seulement que tu prends les restes, et en plus de ça, tu la fabriques. Jusqu'à là en direct. Merde. Hey! Non, alors attends. Le goût de ça, le goût de la trahison. Alors là, tu m'as vraiment montré que tu es mazo. Tu es vraiment mazo. En tout cas, bonne journée. Je vous laisse encore. L'hypocrisie de ça que vous voulez voir. Je ne suis plus moi là.